Levez-vous. Vous êtes accusé. Levez-vous. L'orateur ne peut vous parler que si vous êtes debout. Debout comme pour la Marseillaise, comme pour l'hymne russe. Le God save the Queen. Debout comme devant le drapeau. Enfin, mais debout devant Dada qui représente la vie et qui vous accuse de tout aimer par snobisme du moment que ça coûte cher. C'est tout ce rassis. Bon, très bien. Vous allez peut-être pouvoir m'écouter de façon plus attentive. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, tous? Parqués comme des huîtres sérieuses, hein? Parce que vous êtes sérieux, n'est-ce pas? Sérieux jusqu'à la mort. La mort? La mort est une chose sérieuse. On meurt en héros ou en idiot, ce qui est la même chose. Le seul mot qui ne soit pas éphémère, c'est le mot mort. Vous aimez la mort des autres. Oui, à mort. À mort. À mort. Il n'y a que l'argent qui ne meurt pas. Il part seulement en voyage. L'argent est une chose honorable. C'est le personnage principal. L'honneur. L'honneur de l'argent. L'homme qui a de l'argent est un homme honorable. L'honneur s'achète comme le cul. Le cul. Le cul représente la vie, comme les pommes frites. Et vous, vous qui êtes tous sérieux, vous sentez plus mauvais que de la merde de vache. Mais Dada, lui, ne sent rien. Il est comme vos espoirs. Rien. Comme vos paradis, rien. Comme vos idoles, rien. Comme vos hommes politiques, rien. Comme vos artistes, rien. Comme vos religions, rien. Et vous pouvez me casser la gueule si vous voulez, hein. Siffler, crier. Je vous dirai toujours que vous êtes des poires.